La paresse n'a pas sa place à Saint-Victor. On se lève au chant du coq et tant qu'à être réveillé, on met sa journée à profit. Saint-Victor est un village prospère, ordonné et magnifiquement fleuri, et c'est indubitablement grâce au coq. 5 heures du matin. Et vous savez ce qu'ils font les gens dans les autres villages à 5 heures du matin? Ils dorment! C'est pas le coq qui est le pire cette nuit, Lucien Thomas. Le coq de Saint-Victor traverse une crise. Une petite dépression, sans doute. À la casserole! À la casserole! Et ses insomnies, docteur. À la casserole! À la casserole! Moi, j'ai la solution. Je suis venu vous faire une offre. Il est où, le coq? On a gagné un âne. Un âne? On n'aurait jamais dû laisser partir le coq. Fallait y penser avant. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là de toujours devoir penser avant d'agir? Hey, savez-vous quoi? Je pense que je vais aller me recoucher. Pareil qu'il y a une surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es mieux. Mes amis de Saint-Victor. On va mettre la première partie de notre plan à exécution. Quel plan? On sait même pas où est le coq. On sait même pas s'il est encore vivant. On sait rien. On va trouver, on va trouver. Qu'est-ce que t'en penses, toi?